Et bonsoir à tous, ça commence, tous, bienvenue. J'ai quand même un peu exceptionnel ce soir, puisque voilà, vous le savez, cette semaine on va célébrer les 30 ans de Zelda, de Legend of Zelda sur Famicom, sur NES, la version à laquelle on va jouer ce soir. Donc 30 ans, ça se fait dignement, et qui d'autre que notre expert maison Hubert pouvait se mesurer à la légende de Zelda, puisque, eh bien, il faut le savoir, Hubert n'a jamais joué. Alors, comment cas, ça se fait jeu, comment c'est possible? Celui-là, tu veux dire? Non, celui-là, ouais. Oui. Mais après, le seul auquel j'ai joué, c'est Wind Waker sur GameCube. Ah oui. Et j'ai un peu laissé tomber parce que j'étais bloqué et ça me saoulait. Et t'as été bloqué dans Wind Waker? Ouais, ouais, j'ai réussi. Mais en même temps, je voulais vraiment, tu sais, en différé. En fait, c'était pas ma console, donc à chaque fois que je revenais, j'étais perdu. Ouais, tout à fait. Donc, ouais, je te disais, en fait, j'ai plus joué à Link dans Smash Bros qu'autre chose, en fait. D'accord, donc ton affection pour le personnage, c'est uniquement via Smash Bros. C'est ça, ouais. C'est pas du c'est tout vrai. Via les jeux. Ouais. Incroyable, c'est-à-dire la puissance du design. Donc, on vous le rappelle, c'est une semaine spéciale Zelda. Ce sera aussi un week-end spécial Zelda sur GameCube, puisque je suis allé dans l'outil interne de publication et il y a une tripotée, je crois combien, 8-9 articles. Ouais. Dédié au 30e anniversaire de Zelda, des contenus premium, hein, faut bien le dire, même maison, si on aura quelques-uns gratuits, puisqu'on a repris un ou deux articles anciens qui avaient été publiés, on les a remis au goût du jour. Mais voilà, on va quand même célébrer nous aussi dignement le 30e anniversaire de Zelda, tout le monde le fait. Mais nous, on va le faire à notre manière. Et notre manière, c'est Hubert, notre cobaye. Je ne sais pas si pour ceux qui avaient suivi un petit peu les GK Live défi, parce que ça s'appelle comme ça, ton GK Live défi sur Bubsy pour Noël, tu avais particulièrement brillé. Le jeu de grappin élastique. Là, tout à fait. Là, par contre, à chaque fois. Ouais, Gumi Arakawase, où là, tu avais été vraiment brillant. est-ce que tu seras à ce même niveau sur Zelda, qui est quand même un jeu relativement difficile, hein, faut le savoir. À l'époque, bon, on finissait, on savait vraiment où étaient les secrets, les conteneurs de cœur, tout ça. Mais aujourd'hui, quand tu le prends à nu comme ça à chaud, c'est un jeu qui n'est pas si évident que ça. Apparemment, t'as un peu galéré, toi. J'avais du lag sur la télé. Mais en tout cas, eh bien, Hubert, pour ton objectif aujourd'hui, ça va être de finir le premier palais. Alors, pour les joueurs de Zelda, c'est rien du tout. Et pour la peine, pour te mettre dans les conditions de l'époque, nous avons réimprimé la carte telle qu'elle apparaissait à côté de la notice. C'est-à-dire que quand tu achetais Zelda, non seulement tu avais la cartouche dorée, mais tu avais aussi cette carte dépliante. Alors là, tu l'as en format A3. Avec une partie du monde d'Hyrule. D'accord. Voilà. Où on t'indique exactement où se trouve le palais 1. Voilà. Cerclé d'eau. Le palais 2 qui est à l'est, dans la forêt. Et le palais 3 qui est plutôt à l'ouest. Quand on sort des bois maudits, bref. Donc, ton objectif, Hubert, ça va être d'aller là. Et toi, tu vas commencer ici. D'accord. Donc, tu as a priori 5 écrans à parcourir pour arriver jusqu'au premier palais. Mais je te propose d'appuyer sur Start. Allez. Alors, voilà. Donc, tu fais... Alors, pour petite précision, on ne joue pas sur Wii U, on ne joue pas sur... Alors, c'est option. Ah, ok. On joue sur la fameuse Retro Freak qu'on vous avait présentée en long, en large. ça commence très fort. Voilà. Hubert. Donc Retro Freak, c'est une console qui permet de lire des jeux rétro et éventuellement des ROM. Mais donc voilà, là tu intègres ton nom. Donc Hubert joue avec une manette PS4. Donc Select, ce sera cher pour toi. Voilà, tu descends. Encore. Encore. Là tu fais option. Voilà, donc déjà Hubert galère à créer son propre nom. Voilà, Hubert, c'est toi, zéro vie, c'est-à-dire que tu n'as perdu aucune fois jusqu'à présent. Sachant que le but ultime de Zelda, c'était de finir à la fois la quête principale et la seconde quête, en ayant toujours ce zéro vie perdu. Donc voilà. Là, j'ai rien en fait. Ça commence fort. Non, tu n'as rien du tout. Okay. Je te propose aussi de peut-être basculer en mode pleine fenêtre et on en profite pour saluer le chat. Ah, c'est bon, je l'ai. Oui, j'ai dépoussiéré la rétrofique dans le manuel. Il y avait des indices pour trouver les derniers palais. Alors, Hubert s'en va à l'aventure. D'accord. Voilà. Ça, je l'ai vu quelque part. Ça, c'est extra. Ah, voilà. Ah, non, mais. Donc non, on n'a pas lancé la Master Quest. Donc le fameux cultissime, c'est dangereux de partir tout seul, prends ça. La tête déformée de bonheur quand tu récupères cette épée. Et donc le bouton A qui est pour toi le bouton rond. Et si t'as pas la notice, tu sais pas du tout où aller en fait. Non. C'est ça, hein. Bah, enfin non. Mais bon, allez. Tu sais que tu peux aller rentrer dans la caverne. Donc essaie ta nouvelle épée, hein, peut-être. Ah oui, faut pas que je l'aie, bon, pardon. Okay. Voilà, apprivoise les contrôles. Son épée. Voilà, il lance son épée. Alors, cette épée, évidemment, il la lance en avant avec cet éclair uniquement quand il a sa jauge de cœur pleine. D'accord. Donc, au moindre coup encaissé, eh bien, tu ne pourras plus faire le malin.
Bah, il lance plus. Faut avancer, oui. Okay. Faut okay. avancer dans la pièce. Ah, si, c'est un petit. Sinon, tu peux cheater. Oui, on a laissé les scanlines pour le plaisir. Filtre dégueu, bah en fait, c'était pour vous proposer quelque chose d'à peu près regardable. Alors, je te rappelle, Hubert, tu dois aller au nord. Au nord. Au nord, c'était les Gorons, comme on dit. Voilà. Deux rubis de cœur, donc tout va bien, Hubert. Il y a un petit temps de latence là. Oui, il y a un petit temps de latence dans les commandes. Ah, c'est. Oula, imputable à la console, à la Retrofric ou au jeu d'origine? Le jeu d'origine avait quand même. Voilà, c'est vrai que là tu galères particulièrement. Ouais, là, tout à l'heure j'avais pas ce problème, c'était bizarre. Bon. Bon, t'as mis un petit handicap alors du coup. Ouais, c'est chaud. Voilà, donc là c'est un rubis bleu, ça veut dire qu'il en offre 5. Le maximum de rubis que tu peux remporter c'est 255. On peut pas tailler les haies là, comme dans les autres? Comment? Tailler les haies, on peut pas tailler les buissons? Oula. Si, on peut, mais pas pour l'instant. En fait, il faudra que tu obtiennes. Ah non, je te guide pas, tu te démerdes. Ah, mais en fait, j'en peux plus lancer l'épée là. Oui, c'est ce que je te dis. Ah, ok. Bah voilà, c'est du corps à corps. Aïe, aïe, aïe. Allez, mon gars. On peut pas straffer, on peut pas faire un pas de côté ou. Straffer. Ouais. Ok. Donc là, ce sera à l'ouest, Hubert. Oh, allez. Oups. Non, mais. Ah, je l'ai repéré sur la carte. Hop. Voilà, il l'avait repéré sur la carte. Premier palais. Donc, c'est ton objectif du soir. Hein, c'est de triompher de ce premier level, comme on dit. Ah oui. Ouais, donc, Hubert parlait de Streff hein, en 86. Voilà, déjà bien. Bien, tu vas récupérer une clé qui va te permettre d'ouvrir éventuellement la porte, ou à moins que tu. Ah. Je vais être curieux, je vais regarder ce qu'il y a à côté. Ah, ça c'est bio, ça c'est beau, ça récompense l'aventure. Donc tu dis 20 ans plus tard, Maxi. Il y avait pas de récompense. Zéro, mais non, on est 30 ans après la sortie. Les couleurs sont saturées, tout est lissé, c'est dommage quand le jeu existe en émulation officielle. Oui, bah écoutez, c'était pour vous proposer un rendu HDMI. Oh. Allez Hubert, attention, là il faut vraiment bien. Ah ouais, en plus ils ont plusieurs vies. Ouais, ils ont plusieurs vies parce que tu n'as que l'épée de bois du début. Plus tard, tu obtiendras deux autres variantes d'épée. Je suis dans le caca là, un peu. Hein. Ok. Bon, voilà. Bon. Allez. Quick. Je me familiarise un peu avec les commandes, tout oui, ça, oui, oui. Que j'apprivoise un peu le temps de latence. L'avantage, c'est que quand tu meurs et que tu viens de rentrer dans un palace, tu conserves. Tu repars, voilà. Ouais. Et là, en plus, tu as tes cœurs, l'intégralité de tes cœurs, donc c'est plus facile. Tu peux les tirer à distance. Voilà, ça c'est joli, c'est propre. C'est propre. En fait, faut vraiment faire gaffe à pas se faire toucher une seule fois parce que après, t'es vraiment très handicapé. Tout à fait, surtout en fait, en plus, les débuts d'aventure sont quand même parfois assez cotons. Parce qu'avec seulement 3 cœurs, ça peut aller très vite. Même si plus tard dans l'aventure, tu vas rencontrer des ennemis qui tapent encore plus fort. Et si tu n'as pas l'armure appropriée, ça peut être délicat de progresser. Mais rien qu'au début, voilà, il faut y aller comme tu le fais d'ailleurs. Voilà, pas à pas. Et. Les ennemis s'adaptent pas du tout à ton déplacement en fait. Ils ont. Ça dépend. Il y a notamment des chevaliers rouges et bleus. Les bleus sont particulièrement redoutables. Mais là tu ne les verras pas, hein, je pense, genre à moins que tu sois vraiment. que tu progresses incroyablement vite. Mais eux ils font très mal et leurs déplacements sont vraiment assez random et ils ont tendance aussi à se caler. La technique qu'on faisait à l'époque en crevard, c'est qu'on restait un petit peu dans la porte, notamment face à ces ennemis que tu ne peux toucher que dans le dos. Voilà, tu t'attendais qu'ils passent vers toi, tu leur mettais un coup et t'allais te réfugier dans la porte, sinon tu pouvais vraiment risquer très vite de perdre beaucoup de vie. Hubert nique tout, voilà. Allez. La boussole, Hubert a la boussole, il a la clé. Ah, c'est la boussole, je me demandais ce que j'avais ramassé. Oui, la boussole, en fait, ça t'indique l'endroit où se trouve le boss. Ou la triforce. Moi, je suis le point vert, c'est ça? Tout allez. À fait. Allez. Tout à fait. Trop fort. Hubert, le talent. Allez! Je tente à droite, mais à gauche, là, c'est pas besoin de clé.
Ça, c'est une porte qui ne s'ouvre qu'à l'aide d'un mécanisme. Sauras-tu le repérer dans cette pièce? Ah bon? Joli, ah, Hubert. Joli, joli. Hein, Hubert progresse comme dans du beurre. Hein. Finalement, on... Oh. Alors ça, c'est une phrase culte aussi. La péninsule la plus à l'est est un secret. Oh ouais. USB bottom crisis map. Je t'aide trop apparemment. C'est quoi le bouton B normalement? Bah c'est pause hein, je pense. Ouais. Alors merde. Voilà, Hubert. Okay. Tu découvres voilà, quand tu tapes le barbu dans les donjons, il t'envoie des missiles dans la gueule donc tu peux te barrer. Surtout okay, que là tu ne peux pas t'en protéger hein, de cela. D'accord. Parce que nous comptons le finir. Naïf que tu es. On compte déjà finir ce premier palais et peut-être enchaîner sur le deuxième si Hubert y arrive. C'est vrai qu'il y a un petit temps de latence. C'est marrant parce que tout à l'heure, aux répétitions, parce qu'on a répété, j'avais pas ce temps de latence, quoi. Hubert qui frappe les vieux spontanément, ouais, c'est ses restes de The Witcher. Hubert à la GDQ, tout à fait. Ah, tu vois que lui, il travaille une clé. Bah, en fait, voilà, Zelda 1, tu te rends quand même la vie beaucoup plus facile quand tu peux balancer les rayons laser. Est-ce qu'il n'y aurait pas des trucs cachés ou... Non. Je ne sais pas. Je vérifie. Quel âge as-tu, Hubert, nous demande-t-on? Parce que tu es censé être un vieux de la vieille maintenant. Ouais, bah je suis né en 87, donc 87. J'ai 28 ans. C'est-à-dire que Zelda est plus vieux qu'Hubert. Eh oui. C'est flat. Ok, d'accord. Je suis né l'année de MGS, moi, en 86. Ah oui, d'accord. Ouh la vache. Ouais, attention, oui. J'ai eu chaud. Ouais, de Metal Gear, oui. Pardon, c'est vrai. Joli. Tranquille. Pour l'instant, Hubert progresse patiemment. On est de la même année, Hubert. Oula! Quick! Ah ouais! Ah non, fait chier. Attends, faut que. Ça, c'était juste un piège, ça? Bah ouais. Tu peux pas le briser. Hein. Voilà. D'accord. Ah, c'est cool. Joli, joli. Attends, mais après. Ah, bravo, Hubert, qui ne se laisse pas avoir par cette grande énigme du carré à pousser. T'avais révisé, c'est pas possible, non? Non, pas du tout. Par contre, mon cœur, là, ça me fait chier. Du coup, je peux plus balancer. Ah oui, là, il faut aller se battre, comme un homme. Allez. Qu'est-ce que c'est que ça? Un arc? Bien, j'ai 34. Qu'est-ce qui se passe? Straf, Hubert, straf, nous dit-on. Alors, je crois que c'est Select pour changer d'arme. Select. Non, start. Vas-y. Non, ça marche pas? Non. Étrange. Bon, écoute. Je vais faire 100. Ouais. Écoute, de toute façon, tant que tu n'as pas la flèche, tu peux pas t'en servir. Ah, donc, bon, okay. Ne sois pas. Merde. Ah, c'est pour faire une pause, ok. On dit qu'ils ont tout pompé sur Binding of Isaac. Ouh, j'avais oublié. C'est bon. Alors du coup, je descends et je vais à droite. C'est bon, il repop pas en plus. Ah, tu pouvais pas choisir parce que tu n'as pas de flèche. Si tu avais eu une bombe, t'aurais pu zapper. Je trouve qu'on balance des défis trop simples à Hubert. Du coup, il me manque une clé là. Ouais. Donc il y a une partie où je suis pas allé. Tu n'es pas allé, ouais. Je me souviens plus. Ça c'est. Je suis pas très bon en. En repérage, ah oui, repérage, la carte est extrêmement complexe là en plus. Pourtant dans la vraie vie ça va, mais dans les jeux j'ai toujours du mal. Hop. Il me donne pas de cœur. Là t'y allais là. Ouais, là c'est le vieux que t'as frappé. La terre. Oh, oui, il me donne pas de cœur, hein, donc c'est pas grave avec eux. Je sais plus comment ils s'appellent, les bad boss, je crois. En tout cas, tu ne peux plus
Tu peux pas te régénérer avec eux. Les Stalfos, voilà, là tu ruses, c'est très très bien joué de ta part. Allez, encore du Mika. Tu te sers du décor à ton avantage, et ça c'est... Oh là là. Ah, quel dommage, un bénéfice aussitôt perdu. Voilà. Ils sont chiants. Ouf, ah ouais. En fait... Oh. Là, tu galères un peu parce que tu n'as pas encore le boomerang qui te serait vraiment très utile. En fait, j'ai fait ça pour rien. Je sais pas où t'as oublié la clé en fait. Ah bah, je sais pas non plus. Ouais. T'étais allé en bas à droite au moment où t'es rentré dans la. Je crois que j'avais fouillé, ouais. Non, tu t'es barré aussitôt. Ah oui, je me suis dit qu'il y avait rien. Voilà. Oui, enfin, tu t'es dit qu'il y avait 12 000 squelettes, ouais, et voilà. Tu t'es barré en fait. Ah putain. Donc, elle est là, la clé qui manque. Sachant que tu n'as plus qu'un cœur de vie. Je peux pas balancer d'épée, là ça va être chaud. Ah, tu vois, bah voilà, il est là, ouais, il te nargue avec ses. Alors, ce que tu peux faire éventuellement, c'est lui voler la clé et te barrer. Ah, est-ce qu'il lâcherait pas des cœurs ceux-là? Ah, si, eux ils sont bien dotés en cœur, mais. Est-ce que le risque est à la hauteur de la récompense? Voilà, ça c'est bien joué. Sachant que si tu te mets en plus dans un intervalle de deux cases, alors c'est pas toujours évident, surtout avec la petite latence que tu as, ouais. Bah tu frappes les deux en fait. D'accord. Ah, que des rubis. Le GK Live du donjon unique. Non mais ça se trouve, on va peut-être arriver au deuxième, et là ce serait fort. Oh! Eh oui. Putain, il était résistant celui-là. Normalement, ça les repousse en plus quand tu donnes un coup d'épée. Ouais. Et il m'a rushé là, dessus. C'est la carte, là. Cette salle ne t'est pas utile. Du coup, je suis arrivé de la gauche. Bon, le chat est on fire, évidemment. Petite référence au... Oula. Ouais, oui, parce que mourir face à cet ennemi, c'est... Sans vouloir mettre la pression ultime, hein, mais c'est quand même décevant. Ok. Je suppose que ça lâche rien, ces merdes. Non, en plus. Rien du tout. Okay. C'est leur leurs acolytes un peu plus gros. Quand tu les butes en un coup, ils sont très généreux. Alors là, tu n'es plus qu'à deux salles du boss. Hop. Bon, le jeu du chat et de la souris avec cet ennemi redoutable. Alors attention parce que par contre là ça va être compliqué. Bon, oui. Ton petit bouclier les intercepte par contre ils sont tellement résistants que. Enfin. Ils encaissent 3-4 coups. Si je bouge pas et que je me fais taper sur le boomerang, oui. Pas un boomerang ça va repousser, ça va pas t'atteindre. Ok. Si je me cache là. J'ai peur que même que cette salle te soit fatale. Oui. Ouais, quand il lance, en fait, il bouge plus. Ouais. C'est la bombe. Je pensais que ça allait péter. Alors, ça, c'est un objet que tu peux poser avec B, du coup. Et ça tue en un coup, ce genre de mine, donc. D'accord. Évidemment, il y a un petit délai dans l'explosion, hein, c'est une bombe. Suivant le principe de la bombe. Ah ! Oh là là ! Qui du bear ou de l'homme au boomerang? Oh, bravo, joli. Et là, surtout, ce qui est important, c'est que tu récupères le boomerang. Bon, je te conseille de garder ta bombe pour le boss éventuellement. Ouais. Parce que en deux. Enfin, tu fais comme tu veux, hein, mais. Le boomerang. Voilà. Et donc, le boomerang va venir sur la touche B. Et par exemple, bah, pour tout ce qui était chauve-souris et tout, c'est quand même drôlement plus pratique. Voilà. Attends, je vais changer les deux parce que. Si c'est possible. Non, ça c'est que la touche B du coup. Ouais. Ah, oui, mais tu faisais... peux pas avoir. C'est pas. Je faisais l'autre touche là depuis tout à l'heure. Donc je vais m'y faire. Ah.
Joli, joli. Ah Ohlou. Et direct, il m'agresse. Alors, tu vois le pattern, donc il envoie des boules en... Merde, ah non. Ah merde, ça a mis la... Non, 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 c'est pas grave, il t'en reste 3. Donc, si tu le mets sur sa gueule... Ouh. Tu entends ces râles de douleur, cet ennemi particulièrement beau. Joli. Allez, une deuxième fois Hubert. Ouh là 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 là, ça c'est le Hubert qu'on aime. Merde, ah là là, je pensais qu'il allait lâcher sur lui. C'est ton ultime bombe, sinon après il faudra aller le taper, le taquiner au corps à corps. Aïe aïe aïe. Ah, j'ai pas de chance sur les cartes. Non, mais... Disons qu'il y a peut-être une mauvaise gestion des ressources aussi. Ouais, peut-être, ouais. Bon, alors là, l'objectif, c'est de retourner à la salle du boss. Est-ce que j'ai toujours mon boomerang? Tu as toujours ton boomerang. On va essayer de le replacer, voilà. Hop. Ah, le chat n'y croit pas. Non, non, et bim. Rip. Voilà. Là, je monte... Alors là, la bonne tactique, évidemment, ce serait de... Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ce serait de conserver ton épée fulgurante. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de te le dire, mais comme tu le vois, ça immobilise les ennemis quand tu les touches. Et pour les petites chauves-souris, ça les bute en un coup. Joli, joli. Là, on sent tout de suite quand même... L'expérience qui finit par rentrer. Ok, c'est bon. J'y retourne serein. Nous dit Romain Duris, c'est un problème avec ses pouces. Est-ce qu'on t'a déjà fait. T'as déjà dit que tu ressemblais à Romain Duris? Ouais, c'est vrai. Arrivé, ouais. Ah ouais. Je trouve pas, mais. D'accord. Non, je prends la bonne route là. Ouais, oui, t'es très bien. C'est deux cases devant. Allez, tranquille. À droite. Il prend la confiance. On sent le skill. Bah ouais. Oh là, effectivement, c'est une bonne tactique. Oh, oh non, ça passe à travers. Ça faut le savoir. Alors là, ce que tu peux éventuellement tenter, mais bon. Voilà, ces ennemis sont assez lents. Mais par contre, s'ils te touchent, ils te renvoient à l'entrée du donjon. Ah ouais. Bon, alors là, tu tentes. Sachant qu'il te reste une bombe éventuellement à exploiter, ça peut quand même bien, bien le ruiner. Je les ai utilisés. T'en restes une, donc ça peut quand même lui faire des gros dégâts. Ah, du coup, je peux plus lancer mes épées en plus. Là. Non. Donc il faudra après aller le finir. Ça a pas marché? Oh la vache. Ouais, je vais crever. Pas forcément. Ah, l'épée laser, c'est vraiment un gros avantage. Après, c'est vrai qu'on s'est un peu jeté dans la gueule du loup tout de suite. C'est-à-dire que Zelda, c'est un jeu qui favorise l'exploration. Voilà, t'aurais pu explorer Hyrule pour chercher des bonus, des conteneurs de cœur, cavernes cachées. Sachant que là, en plus, on met des petits points d'interrogation sur la petite carte pour te dire, attention, il y a un secret à cet endroit. Donc je pourrais avoir des armes un peu plus performantes, ce genre de choses? Pas tout de suite, non. Gagner des cœurs, je sais pas. Gagner des cœurs, ouais. Par contre, je sais plus où sont les premiers. Donc si le chat, justement, peut venir te venir en aide. Bon, on va essayer quand même de finir ce palais et peut-être après chercher... Bah, c'est pas là. Non, non, c'est pas là. Ah, merde. C'est l'étage du dessus. Ah oui, c'est pas l'étage. La pression psychologique pèse sur les épaules de notre frêle héros. Ah, il vient de chercher lui. Ouais. C'est vraiment, ouais, c'est du crowd control comme on dit maintenant. C'est. Putain, mais c'est Dark Souls. Les origines. Exactement, tu frappes tes esquives. Allez, Hubert, je crois en toi, nous dit Joy. Ouais, je peux le faire. Faut trouver le minigun. Et du coup, là, j'ai zéro bombe en fait. Ah, bah oui, tu les as. Mais si tu arrives à buter les hommes au boomerang. Sans toi-même te faire toucher, alors voilà, c'est une sorte de pari sur l'avenir. Eh bien, tu pourras éventuellement choper des bombes et là. Le boss sera plus malin.
droite toute. Alors, allez. Ah bon. Tu peux essayer éventuellement de les paralyser avec ton boomerang, n'oublie pas. Oh, il n'est pas touché. Voilà, et là par contre. Et après tu le ruines. Wow, 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 wow. En voyant le jeu, je me dis que c'est dommage qu'il n'y ait pas de mode coop de joueurs avec plus d'ennemis. Ah oui, oui, mais bon, là, c'est une aventure à vivre seul. Voilà, joli, bon, pas de bombe. Mais c'est facile de l'avoir ce boss nouveau, dit Kaiba qui remue le couteau dans la plaie. Et on est bien d'accord. Mais pas. Non, il y a un petit temps de latence, c'est vrai. Ce qui fait que t'es pas aussi réactif contre les boules. Alors attention. Waouh, waouh, waouh. Voilà, tu te mets loin et tu tires, voilà, de loin. Non, tu sens, c'est vraiment la tête, hein, le point faible. Ah ouais. Enfin bon, là ça marche bien. Voilà, safe. Superbe Hubert qui vainc le boss, qui reprend le conteneur de cœur et qui va soulever le premier morceau de Triforce. Ah la vache! Qui l'eût cru? Bravo, félicitations. Il apprivoise le gameplay de Zelda 1. Alors, maintenant. Attends, fais attention à l'autre. Putain, je peux plus lancer d'épée là? Ah non. Merde. Mais eux ils donnent beaucoup de cœur hein, donc si t'arrives à le. Voilà. Toujours immobilisé avant. Ah mais va à gauche là, qu'est-ce qui se passe? Super. Ah merde. Alors, le deuxième palais, mon cher Hubert, se trouve à cet endroit. On était là. On est là. Ouais. Là, on est au-dessus, donc l'itinéraire que tu peux faire, c'est partir vers le nord, tout droit et descendre. D'accord, ça me paraît pas mal. Ou passer par les bois. Mais qui sait ce qui t'attend là-bas? Ouais, je préfère passer par le haut. Par le nord, ok. C'est un plus direct. Direct en haut. Oh là là, la boule d'entrée. Allez! Ouais. En tout cas, tu m'as dit que... Donc là, c'est... ce serait à droite. Non, en haut. Attends, je vais juste essayer de me les faire. Ah ouais, non, avec le mec qui tire des boules là, non. Avec le avec Zora. Ou Zola. Ah, attention. Là, eux, ils sont assez généreux aussi, si t'arrives à les... Oh. Ah. Alors, chercher les palais, c'est 50% du fun, mais là, ils sont indiqués, donc... Finalement, je ne fais... sans dire que je l'aide... Voilà, on gagne du temps, on va directement au vif du sujet. T'as besoin de la map? Moi je vais essayer de m'en faire. Là. Voilà, alors eux ils sont bleus donc forcément ils sont plus endurants que les autres. Que les rouges. Ça te permet de cerner la typologie des ennemis quoi. Grosso modo les bleus sont plus résistants et tapent plus fort. Ah, j'en ai pas eu un seul. Ouais, parce que voilà, il faut 4 à 5 coups pour les avoir. C'est tendu. Oh putain, j'ai jamais y arrivé. Oh la vache, ok, bah super. Voilà. Super. Ouais, bah je me casse. Hop. Alors tu vois que rien qu'atteindre un palais peut être parfois assez, assez difficile. Non mais là il y a un problème, hein, c'est... Des fois il se tourne pas. Hubert prend tous les risques hein, quand même pour le GK Live, ça c'est beau. Et on peut pas les toucher ceux-là? Si. Mais il faut qu'ils soient immobiles. Il faut une bombe. Hubert est en train de farmer, nous dit-on. Et on peut pas les toucher au boomerang. Ah, l'autre qui arrive par derrière, en traître. Oh, mais genre. Bon, bah, tu peux dire adieu à tes rubis, hein, d'ailleurs. Continue illimité.
Regardez. Les voilà. Je me retrouve tout en bas du et coup. Oui. Et alors, pas mieux tout que en bas. Je passe à droite. Bah, tu peux essayer, c'est peut-être plus simple. Ouais. Voilà, essaie de mémoriser le plan. Attends, je peux plus lancer de. Bah non, parce que tu recommences avec 3 cœurs. Ah, là, là. Hubert en galère devant 2 marguerites. J'avais prévenu. Ce skill au boomerang, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de démonstrations du boomerang. Oh là là. T'as un bouclier, hein, donc si quand tu te balances un rocher à la gueule, Si je bouge pas. Si tu bouges pas, c'est bien. Ah, ok. Bon, je vois pourquoi c'est la même chose dans Smash Bros. Du coup. C'est vrai. Alors là, tu prends la mauvaise route. Mais, enfin, tu. Non, mais ça, t'aurais pu. C'était un chemin alternatif. Ah, et passer voilà. Par en bas et revenir repiquer. Ouais, allez, voilà. Allez, je vais tenter. Allez, tente. Tu passes par les rochers. Ah, c'est un endroit très connu des fans du jeu. Hein. Parce que bien plus tard, tu y reviens. Enfin, bien plus tard, non, relativement tôt. Ça va te donner accès aux différents téléporteurs pour voir dans le monde. Alors pour Vache qui vient de nous retrouver, oui tu as raté le premier donjon mais que Hubert a finalement réussi à vaincre hein, sans trop de problème. 400 vies perdues le minimum. Voilà. Attends toi. Oula. Attends, on va pas hitter derrière le décor. Hop. Allez, tu vois, allez, quand tu dis que. Ah, par contre, cette boule-là, tu peux pas la. Tu peux pas la parer. Voilà, très bien, boum. Et lui, là, je peux me le faire ou. Ouais. Il me saoule. Oui, mais bon. Tu vois, ouais, il est. C'est... Du coup, il va rien me donner, quoi. Bah, ouais, non. Enfin, tu pourras peut-être éventuellement le. Ah, putain, il arrive près, hein. Ouais, bon, tant pis. Ça vaut pas vraiment la peine, ouais, je pense. Les flèches, c'est pareil. Oui, tu peux les parer. Ralentissement des blocs. Hein. Ok. Ouh, c'est vrai que ça passe à travers. Alors pour l'instant, ton boomerang malheureusement ne touche pas jusqu'au bout de l'écran parce que c'est pas le boomerang d'argent. Oula, il est vénère. Ouh. Joli. Non. Ah oui, faut pas que je lance d'épée. Ah bah non, faut que tu te protèges. C'est comme Street Fighter, si t'enlèves la garde, tu manges tout. Putain, foiré. Ah bah voilà. Allez. Après t'es pour un rendu. Joli. Voilà. Alors. Un peu plus haut. Là tu es là. Et en gros il faut que tu. Voilà, que tu montes, tu vas à droite. Encore à droite. Ah ok, d'accord. Je te guide si tu veux. Parce que... Allez, on ira plus vite. Voilà. Donc là tu prends le chemin tout en haut. Tout en haut à droite. Non. Ah, non. C'est trop. Tu redescends. Voilà. Hop. Oula, c'est vrai. Là, il faudra sortir par la droite. Hubert découvre vraiment le jeu ou bien il joue. Pardon, il joue son Candide pour le live. Non, il découvre vraiment le jeu. Il n'a jamais joué à Zelda 1. Il a joué à Wind Waker et ça l'a saoulé. Voilà son expérience. À quoi se résume son expérience de Zelda. Et donc, pour fêter le 30e anniversaire, on a décidé de lui faire un gage. Non, et puis aussi, ça nous permet de remontrer Zelda 1 vu. Sous les angles d'un vrai novice, voilà, qui découvre le jeu, même si je suis un peu là pour t'aider aussi. Et pour qu'il nous dise un petit peu ce qu'il ressent du gameplay, ce qu'il... Là, tu vas monter. Enfin, condition de vaincre le Moblin. Cette espèce de bulldog armé de javelot. Qu'il sort de son pantalon. Hop, une petite bombe. Non, on n'a pas activé la Master Quest, faut pas déconner quand même. Parce qu'en fait, quand tu entres ton nom Zelda... Là, t'es entré Hubert, mais si t'avais entré Zelda, tu débloques la Master Quest. Et donc, c'est une variante alternative, évidemment, plus difficile que la quête principale. Et le jour où j'ai eu, c'était Noël, où j'ai eu Zelda, bah, j'avais fait un premier perso qui s'appelait Link, un deuxième perso qui s'appelait Zelda. Et j'arrivais du mal, je comprenais pas pourquoi le deuxième, quand je jouais le deuxième profil, c'était beaucoup plus dur. C'est quoi que j'ai pas pris là? C'était une sorte de montre? Ah, ça freeze les ennemis. Là, il faudra que tu ailles à gauche, Hubert. À gauche. Miyamoto pleure devant ce live. Shigeru, si tu nous regardes. Allez, ça passe à travers. Tiens. Voilà, la petite fée. Tu peux rien en faire. Il n'y a pas de flacon qui te ressuscite, mais.
Et voilà, le second palais, l'antre de Dodongo. Sache-le. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah oui. Ah si d'accord. Tu réveilles les statues, elles viennent te chercher. Ah ouais. Et tu vois, ça enlève un cœur direct. Ça fait chier. Faut vraiment pas que je touche au... Alors, si t'es sur le point de mourir, ce que je te conseille, c'est quand même de rentrer dans le donjon. D'accord. Comme ça, ton point de sauvegarde, ton checkpoint. Voilà, nous y sommes. Faut que je fasse gaffe à tout. Le design a grave changé, hein, tu peux le voir. Alors, ah oui, j'ai pas la map encore. Voilà, tu n'as pas la map encore, comme tu dis. Les serpents. Toujours, Hubert, prends le temps de cerner l'environnement. Ce serait un bon joueur de Dark Souls, hein. Il mesure le danger avant de s'y plonger. Ça a l'air un peu plus cool par là. Oh, vénère lui. Oh, ok. Ok. Alors, est-ce que tu as compris le pattern de cette magie? Je viens de comprendre, ouais. Allez, viens là, toi. Ça va, ils sont pas trop résistants. Oui, heureusement, si. Voilà, super, tu récupères un cœur. Non, ouais, t'es obligé de sortir un peu la tête de la porte. Tu peux pas te permettre de tendre le bâton et de liquider les ennemis comme ça. Et je t'ai dit, il y a pas mal de phases, certaines fois où t'es un peu à court d'énergie, où tu rentres, tu sors de la... Enfin, tu restes sur le palier et puis tu sors, tu kites un peu et tu tombes. Derrière toi. Vite. Oh, dommage, on a failli avoir la jauge pleine, peut-être que lui. Là, c'est des ennemis un peu plus généreux. D'ailleurs, de manière générale, je trouve ce palais peut-être un peu plus facile que le premier. Ah ouais. Ouais, parce que les serpents filent quand même pas mal de cœur. Non. Ouf, allez. Ah, tu les... Voilà, c'est allez, ça que ça fait. Et là, tu... Non, t'es même pas obligé d'aller les voir. Hein. T'as l'épée, t'as 4 cœurs là. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est plus facile un coup. Voilà, donc là tu vas revenir à l'entrée. D'accord. Oui, le jeu est dispo depuis bien longtemps sur l'eShop Weibo. Okay, autant que je revienne. On joue sur la console Retroduc, effectivement, Retrofreak. On joue même pas sur Wii U, c'est vrai. Donc j'ai une clé. Tu as même deux clés. Hop. Bon là, c'est tranquille. Tu peux même te les faire au boomerang, effectivement. Voilà, tu peux doubler. Tu doubles tes DPS. Oh. Voilà. Tu as la boussole, alias le compas. D'accord, donc faut que j'aille en... Belle déduction de Hubert. Ah là, ils sont nombreux, hein. C'est vrai que je peux plus. Allez, attends. On y retourne sereinement. Hop. T'as raison, faut vraiment. Des fois, le pop peut vraiment changer la facilité avec laquelle tu vas pouvoir te sortir d'une salle. Voilà. Joli, joli. Hubert qui prend bien, bien l'information, comme on dit en foot. Yes. C'est plus joli qu'Undertale, je vois que. Les trolls sont de la partie, merci à toi. Eh oui, compas en anglais, ok, mais c'est une boussole, effectivement. On ne dit pas le compas, mais ils avaient traduit ça comme ça. Toucher. Ouais, c'est assez bizarre. Exceptionnel. Disons, le jeu est généreux avec toi en ce moment. Tout à fait. Hop. Voilà, la carte, ça va bien t'aider. Hop, tranquille. Un croissant de lune. Ça va plus vite là, c'est... Maintenant que j'ai bien compris un peu ce qui m'attend. Oh. Pratique, hein. Ouais, carrément. Allez, on tente à droite. Oh oh. Hop, on y retourne. Parce que j'ai vu une boule directe. Wow, wow. Oh merde, putain. Ouais, je l'attends pas. 79 rubis, tu pourras acheter la lanterne quand tu iras au magasin. C'est vrai que la lanterne est à 60.
pas sûr que le boomerang fasse quoi que ce soit face à ce serpent. Alors attention, hein, tu vois. Oh là là, c'est vrai. Ah, ça y est, allez. Ah, tout va très très vite, hein, c'est le... C'est la philosophie de Zelda, hein, c'est... On peut vite perdre beaucoup de cœur. Et j'ai fait ça pour rien. Et pour rien. Ah, putain. Ouais, ok, d'accord. Bon, je vais attendre dire que je vais crever. Ah ouais. Bah oui, ouais. Autant avec les 4 cœurs, il n'y avait aucun problème, mais là... C'est vrai que ça dépend des vendeurs, le prix change dans ce Zelda. D'ailleurs, il y a certains vendeurs qui vendent le gros bouclier moins cher, beaucoup moins cher, qu'ils ne les proposaient ailleurs. Et c'est des boutiques un peu cachées. Et ça vaut le coup d'aller de les trouver. Ah, tu retournes au oh salle où t'es déjà allé finalement. Tu veux absolument avoir ton... Ah merde. Ah, je voulais avoir le cœur quand même. Ouais. Là, c'est mal parti. Le meilleur Zelda, bah, c'est Ocarina of Time. Oh là là. Après, Boulap préfère Majora. Certains préfèrent Link to the Past, ça dépend vraiment des... C'est l'avantage du débat meilleur Zelda, c'est qu'il est interminable. Bon Hubert, là, ce nouveau run commence très mal. Là, il l'attendait, tu vois, il s'est pas fait avoir comme la dernière fois, il attendait que tu sortes de ta cachette et boum. J'étais même pas tout à fait sur l'autre case. Allez. File tout droit, si possible. Des news sur le prochain Zelda, bien sûr, oui. Il y a bien un jeu dont on ne sait rien, c'est celui-là. Attention. Yep. Oh, allez. Oh là là. Oh là là là, tu... Ah, ah tu bourrines. Je les avais facilement tout à l'heure, c'est... Ouais, ouais, mais t'avais l'épée qui tire. Qui tire des rayons laser. Ah d'accord, mais en gros, faut pas que j'aille vers lui. Franchement, avec un demi-cœur direct... Tu dois recommencer, quoi. Bah, ça dépend, tu peux peut-être avoir une... Tu peux peut-être avoir une fée. Et la fée, ça fait quoi du coup? Ah, ça te remet ta vie, ça te remet énormément de cœur en fait. Ah, c'est celle que j'ai eue, mais à chaque fois quand j'avais ma vie pleine. Exactement. Le meilleur Zelda, c'est ton premier. Oui, c'est si faux, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Wind Waker, donc. Ah, ça blague. Alors. Boomerang Hubert! Hubert nul à chier, hein, oui, ça. Forcément. Moi je trouve que tu progresses vraiment, vraiment bien parce que c'est pas un jeu, en plus t'as un petit peu de latence. C'est pas un jeu facile à appréhender quand on vient de nulle part quoi. C'est vrai que quand t'avais 10 ans c'était... T'avais beaucoup plus de persévérance alors que là, bah voilà, l'échec arrive quand même assez vite. Des fois ils partent en arrière, des fois non. Ouais. Ah bah d'accord. Joli, joli, tu as su évaluer les risques. Alors évidemment, il y a 8 palais hein, dans ce... Attends, 8, non, il y en a 9. 9, qu'est-ce que je dis? Le but du jeu pour toi, c'est d'arriver jusqu'à la montagne de la mort. Au nord-ouest, l'antre de Ganon, avec 2 N dans cette version. Et... Et un chemin long et périlleux t'attend évidemment. Wow, wow, wow. Ok. Personne qui m'a laissé un cœur évidemment. Voilà, tu les attends, tu doses le timing superbe. Et on a retrouvé l'épée qui tire des lasers. Ah ouais, 8 plus le final, oui j'ai corrigé. Hein, vous. Voilà. Là, une bombe, hein, ça peut être très efficace aussi. Attends, du coup, faut que je change.
Surtout que là t'en as 8. Ouais, le chat est quand même parfois admiratif. On nous dit, il gère le Uber. C'est un port Ganon. Merde. Aïe aïe aïe. Ouais. Il a l'âge de joli. Voilà, et là tu peux finir. Sachant que le thème de ce donjon, c'est les bombes. C'est bien les petits cris qui poussent. Superbe, ah. La clé pour Hubert. Allez. T'assures, Hubert. Non, vraiment. Oh là là. Vite, vite. L'horloge, superbe. Attention, quand tu te retournes, ouais, bravo. T'as pas trop avancé. Non, mais là, franchement, tu as retrouvé la confiance. Bah, déjà, dès que t'as ton épée, toi, c'est. Ouais, c'est sûr que ça va beaucoup mieux. Ouais. Merde, j'avais oublié que j'avais changé. Hop. T'as retrouvé la confiance, t'as Non, mais franchement. Moi, je me demandais si on allait passer le premier palais, donc là, je suis vraiment très, très agréablement surpris. Alors. Don't go dislikes smoke. D'accord. Alors t'évites de le taper. Hein. Parce que tu peux passer derrière. Non, hein, c'est fermé derrière lui, je crois. Ouais. Oui, les gars, c'est Street Fighter V. Le défi, c'est demain. Le défi de la rédac contre les joueurs. Enfin, contre les lecteurs, pardon. Et on espère qu'il y aura du monde. On espère surtout que les salons, on pourra les créer relativement facilement. Puisque. C'est par ce biais qu'on va vous inviter et que vous rejoindrez la salle pour du best of 2, best of 3. Ouais, on espère que... Allez, fumez ! Joli. Les encouragements de Boulap. Allez, c'est des putains de moblines, vas-y ! Heureusement que l'épée va super loin. Tu rock super. J'ai fini A Link Between Worlds il n'y a pas si longtemps, c'est une tuerie, je suis entièrement d'accord avec toi. Et même Gotose partage ce sentiment, puisqu'il s'y est remis et il kiffe dans les transports. C'est celui-là, là, tu vois. Joli Hubert, et tu as même des bombes en cadeau, voilà, donc tu peux avoir un maximum de 8. Hein. Ouais. Qu'est-ce que... Alors, lui, je te présente, c'est Dondongo. Et qu'est-ce qu'on sait sur Dondongo ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Une bombe ? Va savoir, Hubert. Donc, faut que j'apprenne. Hop. Non ? C'est pas loin d'être ça. Qu'est-ce que... Non mais c'était bien ce que t'as fait. Ouais. Mais il faut lui mettre un peu plus près. Voilà. Non mais là... Enfin ouais, là tu es dans une optique de Zelda moderne où tu utiliserais l'item pour le bourriner alors qu'en fait voilà, tu lui poses la bombe sur la gueule. Oh. Mais faut qu'il la mange donc... Il faut être relativement près de lui. Voilà. Ah ok. Boum. C'est ça le salide. Le marchand t'a donné l'indice. Ah, d'accord. Ah, je l'aide pas, mais si. De toute façon, il avait compris le principe, c'est juste que... Ah, l'enfoiré. Il me reste plus que 3. C'est pour ça qu'il suit plein de bombes. Et GG Hubert qui vint. Cinquième cœur. Qui bat le deuxième palais. On aura... Dans quelle heure est-il ? 19h. On aurait presque le temps d'en faire d'essayer d'aller au troisième. Ça se tente ou pas ? Allez, ça se tente. Allez. Je suis trop gentil. Ah, mais non, mais attendez, il avait trouvé la solution par lui-même. Allez. Alors, le troisième palais se situe à cet endroit. Alors, on est ici. Non, on est là. On est là. Ah, ouais. Ah, mais en plus, il lui fait faire les palais d'en haut.
Ah bah attends. De toute façon, le 4, il pourrait pas y aller. Hein, si c'est écrit. Hein, le si 1, je ne m'abuse. Ouais, c'est écrit 1, 2, 3. D'accord. Je crois que tu peux le faire. Ouais. Tu peux le faire en passant par la montagne. Le 4, bah, c'est pas celui qui est. Où t'as besoin du radeau ? Il y en a un où en fait tu peux avoir. Tu peux faire tous les palais sans avoir le radeau, il me semble. Bah non, il y en a un que tu peux pas atteindre. Ah, t'es obligé d'avoir le radeau. Mais oui, tu peux le faire en dernier si tu veux. Ouais. Je vais mourir. Bah en fait, il y a une bonne méthode qui consiste à aller choper l'échelle. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, tu te fais plein de conteneurs de cœur disséminés à droite à gauche. Et comme ça, quand t'arrives au premier palais, t'as déjà l'épée 2. Ouais. Et alors là, par contre, il y a plus personne. Ouais, je peux déjà aller la chercher. 5. C'est 5, hein. C'est pas plus ? Non, c'est 5, il me semble. Alors, Hubert, un petit détour. Grimpe. Bah, je vais par le bas. Parce que on va vers le haut. Ah bon ? On va essayer de voir si tu peux déjà obtenir la deuxième épée. Juste pour voir. Attention. Putain, c'est les fat mobiles en plus. Ouais. Alors on va dire que je suis encore trop généreux avec Hubert. Mais ce que tu vas faire, Hubert, après que tu auras liquidé tous ces mobiles. Il va crever contre les centaures. Vas-y. Ouh, ça va bien. Ouch. Voilà, c'est que tu vas aller réveiller celui, le deuxième. À droite ? Ouais, à droite. Donc tu vas par le haut, hein, pas par le bas. Tu t'en vas. Ah ouais ! Et tu rentres dans l'escalier. Vite. Voilà. C'est tout. Ok. Il durait longtemps, Zelda 1. Bah franchement, il durait le temps que tu galères. Hein. Ça pouvait... Je pense qu'une fois que tu le connais bien, ça peut même pas mettre... 3 heures quoi. Donc à ta gauche, pardon, Hubert. Voilà. On va aller à droite et revenir à gauche et respawn. L'autre gauche. Allez, j'en étais sûr, de toute façon. Ah bah, de toute façon, il y a ce bleb donc. C'est fini. C'est ça, en plus. Non, ah, t'as de la chance. Vite. Qu'est-ce qu'il y a, Ah, faut la choper. Bah, évidemment. C'est pas une pute, c'est une. Oh là là! Allez, je vais encore t'aider, Hubert, parce que décidément. Mais. Oh, putain. Tu vas. Non, mais garde ta bombe. Ah bon? Ah oui, t'en as plus qu'une. Bon, alors non. Parce que je sais plus de quel côté. En fait, avec les bombes, tu peux péter les rochers. Certains rochers. Et là, il y a un rocher que tu peux exploser. Ah, ça ramouille, hein. La rétro freak chauffe. Allez. Vas-y. Ok, à gauche. Non. Ah merde! Vas-y. Je crois que ce soit celui-là. Non, je sais pas, il y a un point d'interrogation, mais je sais plus si c'est dans le rocher ou si c'est au-dessus. Bah, c'est dans le rocher, mais là ça t'emmène au. Attends. Non, pas tout de suite. Tu peux voir la map ? Donc là, tu vas à droite. À gauche, pardon. Et là, tu vas à gauche. Tu peux aller 5 fois en haut. Ah, ouais. Qu'est-ce qui se passe là ? Je sais pas. Et là, tu vas en haut. Vite! Oula! Il n'y a pas encore de commande vocale, c'est pas ce com! Non, Oh là là, c'est bon, t'en fous, Je me fais gang-mang. Et alors là, tu fais gaffe. Tu passes le centaure. Ouais. Attends. C'est vrai, je suis con. Mais fais gaffe, il peut te toucher. Ouais, il t'enlève 2 cœurs à la fois. Ah ouais? Là il te touche, t'es bon. Bah comment je fais alors pour passer? Bah... Oh là là, le mec, non mais à bout portant quoi. Là je pousse... Ah putain, tu l'avais immobilisé. Ah je... Encore. Tu le tapes, tu lui remets du boomerang, mais là il est trop loin, là il va te sniper. Allez, viens par là. Oup. Allez, quoi. Go. Vas-y, la claque. Super. Alors, est-ce que tu peux l'avoir? Il me semble que c'est 5. Hein. Bah, je crois que c'était un peu plus. 5 ou 7, je sais plus. Oh, c'est 5. Oh, il a l'épée incroyable. Allez, bravo. L'épée d'argent. Et là, tu vas te faire tuer en sortant. Voilà. Mais t'as l'épée d'argent, ce qui veut dire que désormais, les ennemis que tu. Enfin, voilà, ça. Tu es en deux coups, tu les butes en un seul. D'accord. Lui par exemple, tu avais je crois besoin de 4 à 5 coups. 3, 4. Bah là, boum. Joli en tout cas, Hubert.
Tu as l'épée d'argent. Il veut mourir contre un crabe. Alors, le palais. Vas-y, va 5 fois en haut là. Ouais, va 5 fois en haut et puis tu meurs et puis on. C'est vrai ? Puis on s'en va, ouais. Allez. Quoi ? Il a speedrun le jeu, c'est bon ? Ouais, ouais. Ah, il est impressionnant. Il est plus qu'un cœur. C'est le super chinois. C'était quoi ça? Ah, c'était un mec qui apparaissait. Ouais, okay. C'est un exploit, c'est pour le speedrun. D'accord. C'est pas un ski. Bon, Hubert, tu vas mourir. Oui. Bah là, c'est même sûr. Et c'est là qu'il te fait mourir. D'ailleurs, c'est cet ennemi sur Famicom. Qui est pas dans la version. Qui est pas dans la version. Je crois qu'on le tue avec des bombes. Bah, en fait, ils disent que tu peux le tuer avec le son. Ah oui, le son, oui. Il y a le pipeau. Enfin oui, le micro dans la manette, sauf que bah, sur NES tu pouvais pas, du coup... Il se met ici ? Bah, non, tu peux les tuer vachement facilement avec une autre arme. Ok. Pas celle-là. Mais... Allez Hubert, ce lapin sera ton... Ouais, la version... Tombeau. Ce lapin sera ton tombeau. C'était la 3DS. Allez. Allez, bim. Bon Hubert, le chat en est témoin, tu as été quand même brillant. Vaillant, on va dire. Vaillant, ouais. Tu as terminé deux palais, tu as obtenu l'épée d'argent, tu as vraiment bien progressé. Ouf. voilà, boum. 4, en fait là t'es vraiment... t'es pas suffisamment armé pour résister et du coup ben, voilà, les momies en plus elles sont terribles. Elle retire 4 cœurs d'un coup quand tu es en tunique verte. Ah, tu vois pas, il y a des blocs, mais en fait... Eh oui. Parce qu'en fait, tu n'as pas la chandelle. D'accord. Alias la bougie. Tu n'es pas équipé et du coup... voilà. Ah, d'accord. Mais voilà, bon, tu vas mourir une deuxième fois et puis on va se quitter là-dessus. Dick-togger. Yes. Voilà. D'accord, fameux son. Mais il m'en dira pas plus. Heureusement que tu avais la hotline Nintendo à côté de toi. C'est ainsi que Hubert Nulaché devint Hubert le Vaillant. Est-ce que tu as remarqué que la musique, il y a des notes qui sautent. Aïe aïe aïe. Il y a des notes qui sautent quand tu... Là, t'as juste les... Écoute là, quand tu chantes. Ah ouais, voilà, hop. Bon bah Hubert, chapeau. Alors qu'est-ce que tu as pensé de Zelda ? Bah c'est plutôt cool, bah, là j'ai mal au pouce, mais sinon ouais ça va, c'est plutôt pas mal. Ouais, tu... feeling, après c'est juste la latence qui fait que c'est frustrant, donc je pourrais pas donner mon avis complet sur le jeu, mais... Mais ouais, enfin tu dis que pour un jeu de 86 quand même on est on était en avance sur son temps quand même. C'est ça. Ça vaut pas mon Link de Smash Bros quoi. Ça vaut pas le Link de Smash Bros, c'est vrai que... Question exploration, on va moins loin. Bah écoute, en tout cas félicitations Hubert, merci au chat d'être resté, d'avoir soutenu Hubert aussi, d'avoir commenté sa performance après la légende de Zelda, la légende de Hubert, la légende. Ouais. Bah écoute, si t'as envie de... Hubert c'est la princesse. De poursuivre. Hubert c'est la princesse. J'ai mal au pouce, Hubert, fragile. Save Hubert. Allez, tu pars pas tant que t'as pas fini le jeu. Voilà. Sachant que là, tu as 2 palais sur 9, hein, et après, ça devient quand même assez... voilà. On va attendre. Bon, bah, on va se dire au revoir. Hein. Ouais. Merci à toi, Dubert. Merci à vous, le chat. Merci. On se donne rendez-vous demain pour du Street Fighter V défi rédac contre les lecteurs. Voilà, s'il y a une note qui vous a pas plu, notamment la note de Street Fighter V, eh bien, vous pourrez éventuellement nous mettre la pâtée. La vous venger. Il y aura Nathan et Yamato, malgré tout, parce qu'on a décidé quand même de... Mettre toutes les chances de notre côté. Parce que bon, Yukishiro débute son Rashid, mais il n'a pas encore cassé deux sticks, mais voilà. Donc, bonne soirée à tous, et puis à très bientôt pour Game Cult Live. Ciao. Ciao. Ciao.